Remets le son. Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. C'est la news. C'est la news. C'est la newsletter. Alors, on va se faire la petite newsletter, la famille. Et juste après, on reviendra sur les petites séquences juste avant. Parce qu'on a oublié 2-3 trucs, mais on va vous les faire un petit peu mijoter tranquillement. Bon, la newsletter, vous le savez, la famille, 4 indices sonores. À vous de trouver, évidemment, de quoi ça s'agit, pourquoi, comment, où est la mayonnaise et où est passé le ketchup. Tout de suite, premier indice. C'est parti. Vas-y, balance. Ah, il était en même temps que t'as dit balance. C'est un indice, appareil photo. C'est un indice très court. Un flash, ouais. C'est plus flash qu'appareil photo. Flash. Star, célébrité. Flash Gordon. Non. C'est super héros. Flash Brown. Radar. Flash le film. Qui a dit radar ici? Moi, j'ai dit radar. Radar. Sur la police. Ah, ok. C'est pas la limitation de vitesse qui passe à 80 ou le 90 sur les routes secondaires. Il est vénère. J'adore. C'était facile, ça. C'est la bonne réponse. Eh, t'as gagné, Bichette. Attendez, calmez-vous, j'ai dit radar quand même, sans mon indice. C'est vrai, voilà. Merci Flora de ta contribution. Travail d'équipe. Effectivement, hier mardi, le gouvernement a donc abaissé la vitesse de 90 km/h à 80 sur toutes les nationales françaises, 400 000 km de route. On va en parler, une décision soutenue par de nombreuses personnalités comme Manuel Valls, hein, qui depuis qu'il est plus Premier ministre soutient plein de trucs, ou encore d'anciens présidents du Conseil national de la sécurité routière. Et cette décision permettrait donc de réduire de 300 à 450 décès par an selon les spécialistes. Je rappelle très rapidement que la sécurité routière a été créée en 1949. Le nombre de morts a commencé à être comptabilisé en 1960. On est passé à 8000 morts. Quand il y avait plus de voitures, on était jusqu'à 18000 morts par an quand même. Et c'est en 2002, Jacques Chirac qui a instauré les radars, etc. Et on parle beaucoup des radars, mais je voulais vous rappeler qu'avant les radars, on était à 8000 morts sur les routes. Depuis les radars, on est à 3000. On n'aime pas, il y a quand même eu un impact. Mais depuis 3 ans, parce que j'ai bien bossé le sujet, ouais, ça se voit. Depuis 3 ans, ce chiffre remonte. Alors de peu, hein, de 20 par an, 30 par an, mais ça remonte, d'où effectivement Édouard Philippe qu'on embrasse, qui nous écoute depuis Matignon, et évidemment Emmanuel Macron qu'on embrasse. Évidemment, on va l'appeler tout à l'heure, comme Cyril Hanouna, on n'en a rien à foutre. Sauf que nous, on n'a pas de réseau par rapport à Cyril Hanouna. On a un handicap et en plus. On n'a pas son numéro non plus. C'est ça. Donc justement, la famille, selon vous, les mesures en termes de sécurité routière sont-ils réellement efficaces? Oui, non, pourquoi, comment? Alex. Bah, et si on s'en tient aux chiffres que tu nous as donnés, on peut dire que oui, en effet, ça a un impact et c'est efficace. Mais moi, je pense à cette réduction là, de la vitesse autorisée. Je pense à des pays comme l'Allemagne, comme la Suisse, où au contraire, ils sont en train de faire l'inverse. Ils sont en train de supprimer les limitations de vitesse, voire d'augmenter les limitations de vitesse. Et eux, ils ont des résultats aussi sur la vitesse autorisée. Tu veux dire. D'augmenter la vitesse autorisée, exactement. Ils veulent combler le coup de la fréquence. Oui, Rachel a un truc à dire. Je pense que comme en Allemagne, déjà, ils ont plus de voix que nous. D'accord. Donc, tu veux dire au niveau de la voix, The Voice? Non, c'est plus petit. Alors vraiment, par contre, ça me fait chier parce que je vais devoir vendre ma Mercedes qui est déjà vendue. Voilà. Oh. Et de deux, je suis désolée, mais c'est vrai. Plus on va diminuer, peut-être que ça va diminuer le nombre de morts, mais ça va faire aussi des accidents. Parce que les petits vieux là, qui roulent à 20 km/h, c'est très dangereux. C'est une catastrophe. Non, je suis tout à fait d'accord. Donc pour le coup, je suis pas sûre que ça a un grand impact. Après, il faut prendre les choses très au sérieux. Certes, il faut pas rouler à 120, etc. Mais comme en Allemagne, tu as dit, voilà, la preuve en est. Ils conduisent très vite. Et ils ont. Oui, mais c'est pas la même. C'est pas le même usage que. Enfin, c'est pas Flora la même a pris population. La parole. On y va. C'est pas du tout la même population. Ça marcherait pas chez nous. Et très sincèrement, pour avoir fait 3 stages de récupération de points. Moi, j'en ai fait un. Je m'y connais très bien. Moi, j'en ai fait un. Et franchement, baisser la vitesse, ça induit énormément sur les chiffres. Et vraiment, moi aussi, au début, je comprenais pas. Mais vraiment, c'est une mesure qui fonctionne. En France, en tout cas. Mais en tout cas, ils sont forts. L'État est fort parce qu'on est en train de parler d'un truc où ils ont carrément endormi qu'ils vont nous taxer encore plus avec toutes les amendes. C'est ça le message à la fin. Mais le but, c'est de plus avoir de niveau. Non, même pour les stationnements. Avant, c'était 11 euros, c'était 17 maintenant. Euros et maintenant c'est 50 euros, c'est n'importe quoi. C'est vrai, ça c'est un cri. Sarah, elle est au courant des détails de la loi. Ils nous la mettent gentiment. Deuxième question, la famille, puisque je vois que ce sujet vous intéresse. Les campagnes de sécurité routière ont-elles eu déjà un impact sur votre comportement au volant de manière concrète, oui ou non, Bishop? Non, pas spécialement. Enfin, moi je conduis beaucoup dans Paris et même sur autoroute. Ça n'a pas forcément d'impact. Après, moi je fais attention, je respecte les limitations de vitesse.
Et je fais toujours attention, mais non, ça n'a pas eu d'impact. Mais par contre, je trouve ça intéressant. Et je trouve que ça peut être intéressant, surtout pour les jeunes conducteurs, ceux qui démarrent et qui commencent à apprendre à avoir le permis. Quoi. Justement, est-ce que pour vous, ça devrait. Qui a le permis, là ? Levez la main. Qui a le permis ? Ben, tout le monde, sauf Sarah. Est-ce que pour vous. Donc, Sarah, tu peux y aller. Est-ce que pour vous. Et toi, Boboy, tu l'as ? Comment ça ? je suis comme Eddie Mitchell. Moi, ah oui. J'en ai rien à foutre. Il a un permis de construire. Ah ouais, oui, d'accord, ok, je comprends. Quand même pas mal. Il a chauffeur. Est-ce que pour vous, ça devrait être la sécurité routière devrait être plus mise en avant dans dans l'apprentissage à l'auto-école, Alexandre. Bah, je trouve que c'est déjà très très bien mis en avant. On passe tout le temps avec des règles de sécurité. Après, c'est une très bonne chose. Hein. Je dis pas que c'est pas bien, mais je pense qu'il y a quelque chose qui tue plus que la vitesse aujourd'hui, c'est le portable. Il y a une info qui est sortie aujourd'hui. Totalement. Comme quoi, maintenant, l'utilisation du portable au volant, qui sera couplé à une autre infraction, entraînera la suspension du permis. Et ben ça, c'est très bien. Voilà. Et ben ça, je suis d'accord. Et ben ça, on est d'accord. Voilà. Sur ce, fin de l'émission. Bonne soirée. Merci. Ce soir ou jamais, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Du bruit, la famille. Ouais. Et d'ailleurs, attendez, est-ce qu'on n'aurait pas oublié un truc là ? À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.